Yo tout le monde les gars, c'est Sarka pour la vidéo. On se retrouve pour parler du mercato. Mercato 2019, le premier mercato de 2019. Mercato hivernal, on va parler de l'Olympique de Marseille. Et la rumeur, Mario Balotelli, encore une fois. Ça fait deux fois, non, trois fois qu'on en parle parce qu'il y avait déjà une rumeur en 2017 de Balotelli. Qui était le grand attaquant, je crois, mais c'était une petite rumeur qui a pas duré longtemps. Et là, la deuxième rumeur, c'était la plus grosse rumeur cet été 2018. On a parlé pendant un mois, deux mois, non, trois mois, au moins quatre mois qu'on parlait de Balotelli à Marseille. C'est l'année dernière, c'était saoulant parce qu'au final, il est pas venu. On a fait tout un charabia et au final, il n'est pas venu. Mario Balotelli est venu à la commanderie. Au final, il n'est toujours pas venu. Donc, à un moment donné, faut arrêter. À un moment donné, il va pas venir 50 fois à la commanderie, Balotelli. Et au final, il viendra pas à cause de son agent, là. Raiola, là. Donc, voilà, les gars. Après, il y a d'autres rumeurs aussi. On va pas parler que Balotelli. Radonjic, il va être prêté à Stuttgart et un autre club allemand que je ne sais plus son nom. Il me semble que c'est officiel, Radonjic sera prêté. Je suis pas sûr les gars, mais je pense qu'il sera prêté puisqu'il a pas du tout de temps de jeu. Enfin, il en a pas beaucoup. Il en a eu contre Lille. Contre Lille, il me semble qu'il était titulaire. Donc voilà, il y a aussi plein de rumeurs. On parle de Payet qui pourrait partir en Chine. Il y a 2 semaines, enfin il y a 1 semaine, on parlait de Payet de retour à West Ham. Là, c'est Payet en Chine. Payet en Chine, c'est l'actu aussi. Payet en Chine. Bon, Payet s'il va en Chine, c'est que il y va pour l'argent, clairement, parce que pour l'instant, ça va pas trop avec Marseille. Parce qu'il est en guerre avec son salaire, avec Strootman, avec Thauvin qui gueule parce que Strootman il a un plus gros salaire, alors que Thauvin c'est le meilleur joueur du club, alors qu'il a un plus petit salaire que Strootman. J'avoue que c'est pas logique. Normalement, c'est le meilleur joueur du club qui a le plus gros salaire quand même. Thauvin, il mérite d'avoir un gros salaire. Payet, il a déjà un gros salaire. Thauvin, il n'a pas un gros. Enfin, il a un gros salaire, mais il n'a pas le plus gros salaire du club. C'est vraiment dommage car c'est le meilleur joueur du club, Thauvin. En plus, on parle d'un départ aussi pour Thauvin cet hiver. Chelsea le veut pour 50 millions. Chelsea veut mettre 50 millions sur Florian Thauvin. Bah, dis donc. Thauvin vaut 50 millions. Pour moi, les gars, je vais dire la vérité. Thauvin, il vaut 30 millions, 40 millions. Thauvin vaut 40 millions, vaut pas 50. Mais je me rappelle quand Jacques Henry-Hérault, il a dit que si Thauvin devrait partir, c'est pour 80 millions. Donc, enfin, plus de 4. Non, c'est Andonis Bizarreta qui a dit ça. Plus de 80 millions, si on le fait partir pour 50 millions, bah dis donc. C'est la fête, hein. C'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bye bye.